qui est Emmanuel Macron. Macron, c'est l'ancien conseiller économique d'Hollande, avant de devenir son ministre de l'économie. C'est celui qui a fait passer sa loi travail et sa loi Macron à coup de 49-3 et qui dit vouloir aller encore plus loin. Son bilan à l'heure actuelle, 600 000 chômeurs supplémentaires. Alstom, fleuron français, vendu au géant américain General Electric, qui a aussitôt supprimé 800 postes en France. Il laisse une très lourde facture derrière lui. Il a été incapable de budgéter ses projets divers. Salaire des fonctionnaires, plan pour l'emploi, les prisons, les policiers, Alstom, les jeunes, les intermittents, etc. Échec sur échec. La France n'a cessé de perdre des parts de marché dans le commerce mondial sous son mandat, passant de 6 à 3%. L'euro n'y a rien changé. Alors même qu'il l'a nié lors du débat, il est bien le ministre qui a engagé la vente d'SFR à Patrick Drahi en octobre 2014. Cette vente a entraîné licenciements par milliers, dégradation des conditions de travail, colère syndicale et départ des abonnés. Le nouveau propriétaire d'SFR, Patrick Drahi, est aussi propriétaire de BFM, Libération, RMC, L'Express et d'autres grands médias qui n'ont cessé de faire campagne pour Macron. Macron, c'est celui qui a oublié ses 3 millions gagnés en un an, qui n'apparaissent plus dans sa déclaration de patrimoine. Aujourd'hui, Macron serait soupçonné d'évasion fiscale via compte offshore. Il rejette en bloc. C'est celui qui vous parle de valeur du travail, alors qu'il a été projeté à la banque Rothschild dès la fin de son parcours à l'ENA. C'est celui qui veut réduire l'impôt sur les grandes fortunes. Pour qui? Pour vous. C'est sous son mandat, en 2015, que l'espérance de vie en France a reculé pour la première fois depuis 1969. C'est celui qui a avoué sur RTL ne pas avoir de programme contre le terrorisme. Il est soutenu par l'UOIF, une structure liée aux frères musulmans, et balance en off sur Beurre FM son admiration pour Mohamed Saou, un islamiste radical. C'est celui qui est allé voir Angela Merkel, son mentor, pour la féliciter pour son accueil de 1 500 000 réfugiés dans son pays, après 11 attentats perpétrés en Allemagne en 2016, dont 8 par des réfugiés. C'est celui qui affirme que rétablir les frontières, c'est faire le jeu du terrorisme. C'est celui qui dit qu'il n'y avait pas de culture et d'art français, et qu'avant l'Europe, la France était une vallée de larmes et de sang. C'est celui qui veut soumettre les Français aux technocrates de Bruxelles qui, je le rappelle, ne sont pas élus par les peuples. C'est celui qui a affirmé que l'Europe actuelle est un modèle pour le reste du monde, et que la France est le seul pays européen à n'avoir pas vaincu le chômage. C'est celui qui, lors d'un congrès de syndicats agricoles, a comparé les patrons à des éleveurs et les employés à du bétail. C'est celui qui considère que déchirer la chemise d'un patron est bien plus grave que les licenciements massifs d'employés français et la délocalisation massive des entreprises. C'est celui qui nous explique que sans les Uber, les chauffeurs de taxi seraient en train de dealer de la drogue. Macron, c'est celui qui dit à deux boulangers qui travaillent 40 à 48 heures par semaine qu'il faut travailler pour se payer son costard Gucci à 15 000 euros. C'est celui qui a traité les ouvrières de gade, d'illettrés, les ouvriers du bassin minier du Nord d'alcooliques. C'est celui qui a comparé les Corses à des terroristes et les habitants du Nord à des analphabètes et des dépressifs. C'est le grand promoteur des accords CETA et TAFTA qui valide le développement des OGM, des bœufs aux hormones, des poulets au chlore, de la ferme des villes vaches et des pesticides, au profit des grands lobbies et au détriment de nos agriculteurs qui se suicident les uns après les autres. C'est celui qui est soutenu par la majorité socialiste, Daniel Cohn-Bendit, celui-là même qui trouve fantastique de se faire déshabiller par une gamine de 5 ans, mais aussi Alain Madelin, Robert Hue, BHL, Bayrou, dont il n'est plus besoin de rappeler l'action corrosive sur la France. C'est celui qui veut étouffer les TPE, PME sous les taxes, retirer aux entreprises toute responsabilité et laisse l'employé seul face à la religion du profit à tout prix. C'est celui qui veut privatiser au maximum les grandes entreprises en les vendant à des puissances étrangères. Il ne s'est jamais opposé à la vente de notre patrimoine et de nos monuments à la Chine, au Qatar, à l'Arabie Saoudite et aux autres puissances étrangères peu démocratiques. C'est celui qui est coupable de conflits d'intérêts avec le groupe pharmaceutique Servier. Il promet un meilleur remboursement de leurs médicaments. Tout va bien jusqu'à ce qu'on apprenne que Servier a versé plusieurs centaines de milliers d'euros à Jean-Jacques Mourad, représentant santé de Macron. C'est celui qui explique que sans le CAC 40 et la finance internationale, la France serait depuis longtemps marginalisée. C'est le candidat des tensions internationales, provocation envers la Russie et leçon de morale au président américain sortant. Menace à la Pologne et à la Hongrie, ça promet. C'est celui qui affirme que la Guyane est une île. C'est celui qui fête sa victoire avant l'heure. C'est celui qui a du mal à comprendre son propre programme en plein meeting et qui explique qu'en définitive, on s'en fout du programme. Ce qui compte, c'est le cap et le projet à définir.